Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous vous remercions le fait que vous branchez sur la chaîne de Télébocton dans l'émission Rendez-vous, rubrique Un voyage à travers du livre des Psaumes. Et nous dit tout le monde qui a suivi nous, tous les amis nous, tous les frères nous, tous les sœurs nous, nous vous remercions. Merci parce que à chaque fois que vous êtes nous, capable nous donner un bon encouragement, nous comptons. Et pas oublier pour capable abonner avec Chanel là et puis et partager et Chanel là de façon pour yon lop on a capable jouer une opportunité pour capable effectuer avec nous-mêmes voyage ça et puis capable bénir tout. Alors n'a continuer voyage là et à la gloire de Dieu. Je dis à nous pour aller lire ensemble le psaume 64 au chef des chantres, psaume de David. « Ô Dieu, écoute ma voix, quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe brillante, des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu, la pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Parole du Seigneur. Encore une fois, frère, avec ce mieux, nous comptons en pile le fait que vous êtes là avec nous-mêmes à côté d'effectuer et voir ça. Et nous demandons pour capable et pour patience avec nous-mêmes parce que donc on est et chemin long en pile mais ça que nous était quoi n'a privé quand même et nous croyons dans ça et parce que voyage là c'est un voyage qui est très long que lié mais au nom de Jésus et puis nous mettez bon Dieu devant bon Dieu lui-même à mener nous au bon port et bon Dieu bénisse et nous bon rendez-vous demain si Dieu veut côté nous pour aller lire ensemble avec nous-mêmes les psaumes 65. C'était servité par vous, pasteur Mathieu Delismé. Que bon Dieu bénisse. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pasteur Mathieu Delismé invite nous toutes pour nous participer avec les mêmes longs voyages qu'il a fait à travers du livre des Psaumes. Il invite nous toutes pour nous joindre avec les mêmes pour nous capables lire le livre Psaume ensemble. On a commencé à partir du chapitre 1er jusqu'à 150. S'il vous plaît, yon di lot. Chaque jour, pasteur Mathieu Delismé applique yon ou bien deux sommes. Égal, nous invitons pour capable joindre avec nous sur la chaîne de Télé Pocton qui est Facebook, YouTube et Instagram et TikTok. Ou à joindre pour taper Télé Pocton. Ou à joindre nous. Et nous encourageons pour capable faire ça, pour nous capables de faire journée ça ensemble. Un voyage à travers du livre des Psaumes. On a commencé depuis chapitre 1er jusqu'à 150. Que bon Dieu bénisse. Invitez une autre sous Poco fait partie du club ça. Nous invitons pour capable abonner à Chanel là, s'il vous plaît, pour joindre une notification automatique depuis que nous dans l'air. Pas oublier nous, c'est un voyage à travers du livre des Psaumes. N'a dit bon Dieu merci. Ou pas pour regrette. Que bon Dieu bénisse. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous remercions les faits que vous branchez sur la chaîne de